Out of paradise, not if. This kind of love is never sober. And wandering eyes aren't meant for me. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Captain Franck, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Sans Argent mais de la qualité, l'épisode 16. Et dans cet épisode, on va faire deux matchs comme d'habitude. Donc on se souvient des deux victoires lors du dernier match et le match parfait de la victoire 4-1 là où j'arrive à enchaîner tout ce que je voulais niveau passe, niveau combinaison, limite on aurait pu croire que j'avais l'équipe du Barça. Et aussi j'anticipais tout ce qu'il faisait, c'était assez marrant. Donc en même temps c'était évident hein, ce qu'il faisait. Donc voilà. Ça fait plaisir, hein, on reste sur deux victoires, on est maintenu. Et il nous reste 7 points pour la montée, ce qui veut dire 3 victoires ou 2 victoires et 2 nuls. Donc, non, 2 victoires ça fait 6 points et 1 nul. Et 1 nul. Donc, à voir les amis, on verra bien si on va réussir à le faire. Il reste 5 matchs, donc il nous reste encore un peu de temps hein, pour le savoir. En tout cas, on est maintenu, c'est ce qui est bien, déjà bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire directement le match avec notre équipe 2. Il faut savoir que j'ai pris aussi beaucoup de plaisir avec mon équipe de Bundesliga. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'appels, et ça j'aime bien. J'avais beaucoup d'appels entre les deux buteurs, les deux MDC et les deux MOC. Il y avait à chaque fois des appels dans ce match, donc j'espère que ce sera encore le cas maintenant. Et donc tout le monde est en forme, donc c'est nickel. Donc les amis, on est parti, on se retrouve dès que nous avons un adversaire. Et ben let's go les gars, on rencontre une belle équipe, enfin belle, c'est surtout Luis Gustavo, Ramos et Aubameyang qui remontent le niveau, mais c'est quand même une belle équipe de Bundesliga, donc à se méfier, il y aura beaucoup de vitesse, beaucoup de physique, donc il va falloir se méfier, donc les amis on se retrouve pour les meilleures actions, cette ville, pour les meilleures actions de ce match, let's go. Ah non, faut arrêter là! Putain, j'arrive pas à sortir de ce coin! Ça va faire plus de 5 minutes qu'il est dans ce coin là, à faire ces trucs là, à essayer de passer, et s'il passe pas, c'est corner! Ah, j'ai horreur de ça, mais non, mais il a la réussite, il a les contres. Bon, je dégage cette balle parce que ça me saoule. Enfin! Ouh! Oh là, une petite erreur. Faut que ça continue comme ça. À faire les erreurs ainsi, ça me serait bien. Mais franchement, ça m'a énervé là! Pendant 5 minutes, j'arrivais à rien. J'arrivais à rien, bien joué, ça par contre. Au pareil, bien joué. Et puis, il n'y a personne, donc faut attendre un peu. La petite phrase d'Hernandez, Chicharito, dommage. Donc, comme je le disais, pendant 5 minutes, ça m'a énervé, quoi. Dommage. Allez, on continue comme ça. Ouh là là, c'est pratiquement mort, hein. À moins que le gardien fasse un arrêt exceptionnel. Oh oui, bien joué, gardien. Oui, Farman. Ah là, j'ai fait une erreur monumentale et heureusement, mon gardien me sauve. Et peut-être qu'on va avoir une occasion de but. Peut-être qu'on va avoir une occasion de but. S'il arrive à croiser, ouh, la frappe, poteau rentrant, transversal rentrant, oh, 34e minute, tout pile, j'ai vu 34-0-0, tout pile, et oui, elle rentre, évidemment, ça fait plaisir, oh, là, après l'occasion qu'ils ont eue, j'en ai une juste après, alors là, ça fait vraiment plaisir, et en plus, c'est une transversal rentrante, donc franchement, nickel, super but, de notre ami
슈퍼 모팅 아저 Bender, oh dommage. Encore une fois, ça construit bien. Ça me fait super plaisir, ça, qu'on arrive à bien construire. C'est du football, quoi. C'est vraiment plaisant à jouer. Donc, en espérant que ça va continuer ainsi, très longtemps. Plus de faute. Plus de faute. Tchalanoglou, oh là 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 là, poteau rentrant sur le coup franc de Tchalanoglou. Ah, il est beau aussi celui-là. Ah là, la réussite me sourit, ça fait plaisir. Magnifique coup franc, poteau rentrant. Là, il savait rien faire le gardien. Ah là, c'est nickel. Akan, Tchalanoglou. 2-0. Ah ben ça fait plaisir, et encore une fois les amis, il y a 57% de possession. À mon avis il doit y avoir un bug. J'ai beaucoup la balle, soit j'ai plus, soit j'ai moins, mais à chaque fois c'est 57. Ça va faire 4 matchs de suite, donc pour les personnes qui n'ont pas vu la précédente vidéo, pendant 2 matchs, enfin pour les 2 matchs à la mi-temps, j'avais aussi 57% de possession. Et le seul match que j'ai fait aussi lors de l'épisode 14, il y avait 57%. Donc c'est un truc de fou. Donner un petit bilan, je contrôle le match, je suis bien dans mon match, j'ai de la chance, ce qui est rare, ce qui est très très rare d'avoir que j'ai de la chance moi. Encore une fois, je joue en mode Barça et ça passe. Donc c'est nickel. Franchement, je prends énormément de plaisir à jouer. C'est vraiment un style de jeu que j'adore. Le style de jeu à la Barça, en une touche de balle. C'est en plus c'est très dur à contrer, hein, vu que c'est en une touche de balle et que c'est, ah, dommage. Et que c'est très rapide. Comme vous avez vu ici, j'ai fait ce que je voulais, quoi. Il n'a pas touché la balle pendant un moment. Et j'aurais pu encore une fois garder la balle plus longtemps et essayer de trouver une meilleure occasion. Mais j'avais envie de frapper quand même. Donc franchement, Beau match encore une fois. Ah non, là j'ai fait une erreur parce que je parle. Je suis pas assez concentré là. Donc on va se retrouver dès qu'il y aura une belle occasion. Allez, Chicharito. Oh, dommage, le gardien. Franchement, il y a tellement d'espace, c'est tellement simple de jouer. C'est vraiment bizarre. Oh, la tête, dommage, c'était une tête de Choupo-Moting. C'est vraiment dommage que c'est pas passé. Choupo-Moting pour le troisième but, les amis. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai jamais pris autant de plaisir depuis le début du jeu. À part lors de la bêta, lors de mon live avec Michi. Mais je jouais pas comme ça. Franchement, c'est vraiment plaisant de jouer ainsi et que ça marche. Parce que bien souvent, les passes sont what the fuck et ça marche pas. Donc là, je suis en train d'écrire, donc c'est normal qu'il est passé. Voilà. Là, j'écris plus. J'écrivais la minute du but sur une feuille, comme d'habitude. Et il a eu le temps de passer. Bon, après, sinon, il est rarement passé. Hein. Je vais pas vous mentir, il est rarement passé. Hop. Ou quand il passait comme ça, je l'arrêtais. Mais franchement, j'ai rarement pris autant de plaisir à jouer depuis le début du jeu. C'est un truc de fou. Ah, j'ai essayé un truc, dommage. Bon, après c'est pas grave, c'est 3-0, on gagne. Voilà, si j'essaie un truc, c'est pas tellement grave, quoi.
Allez hop, reviens ici toi. Voilà. Ah non, j'ai mal défendu. Ah mais non, c'est bon. Enfin, j'ai pas mal défendu, mais j'ai pas réussi. On va rester ensemble hein, sur la fin de ce match. Pourquoi pas. Allez. Hop, attention sur les corners. J'aime pas ça. J'ai dit que j'aimais pas ça et j'avais bien raison de le dire. Franchement, les corners, c'est un truc de fou. J'ai horreur de ça. Ok, le mec, je sais pas ce qu'il foutait. Mais bon, c'est tant mieux. Hop, on va la jouer. Est-ce qu'il a compris ma façon de jouer, donc on va la dégager là. Parce que depuis tout à l'heure, je la dégage là-bas et à chaque fois, je l'avais. Parce que je la remettais derrière au back gauche. Faute ou il est sorti, il y a quoi? Il y a faute, ok. Petite faute. Ah non, je l'ai pas vu. Oula, heureusement. Attention. On va calmer le jeu. Hop, petite transversale. Encore une transversale. Et voilà, c'est la fin de ce match. Ça fait plaisir, les gars. On remporte ce match simplement. Et en plus, ben, on joue. Je joue avec ma façon de jouer. Et quand je joue comme ça et que ça me réussit, enfin, et que les passes font ce que je demande, tout va bien. C'est bizarre, hein. Quand je me plains et tout, c'est uniquement parce que ça ne fait pas ce que je demande. C'est mon ballon. Ouais, c'est là, à mon avis, c'est peut-être parce que j'ai eu un bon pourcentage de possession. Doublé de Choupo-Moting, un but de Çalhanoğlu. Je vais pas vous mentir, j'ai eu aussi de la réussite. Hein. Ça, quand mon adversaire a de la réussite, je le dis. Quand moi j'en ai, je le dis. J'ai marqué 2 buts avec poteau rentrant, faut le faire, faut quand même le faire. Donc, mais voilà, ça fait quand même plaisir. Je l'ai quand même mérité cette victoire, je l'ai quand même mérité. Bien construit mes actions et tout. Voilà, 65% à 35. Voilà, je pense que je mérite. Donc on se retrouve les amis pour le deuxième match de cette vidéo. On a 13 points, on peut d'ores et déjà avoir la montée dans cette vidéo. Donc on se retrouve pour le deuxième match. À tout de suite. Allez, let's go les amis, on va rencontrer une équipe de Barclays Premier League. Ouais, belle équipe hein. Beaucoup de joueurs de Manu. Il y en a 4. Ouais, belle équipe. Belle équipe physique. Très physique, avec beaucoup de taille. Il y a quand même un peu de rapidité par-ci, par-là, mais une équipe à se méfier. Donc, je ne sais pas du tout si je vais savoir encore jouer mon jeu ici avec une équipe physique comme ça. On verra bien, donc on se retrouve pour les meilleures actions de ce match. Bien joué, la frappe et le gardien. Oh là là, ce que Howard rattrape. Ah là, je l'avais bien lu, belle interception encore une fois. Et là, la frappe de Rémi, là, dommage. Dommage que ça soit sous le gardien. Je pensais que c'était Bolasie, moi. Oh, la frappe de Shaqiri, encore une fois. Howard est passé par là. C'est vraiment dommage. Shaqiri, encore une fois, et la frappe, elle passe, cette fois-ci de l'autre côté, j'ai décidé de faire une petite enroulée. Malheureusement, ça passe pas, dommage. Magnifique, oh dommage, j'ai tenté le centre à ras de sol. Encore une fois, j'arrive à bien construire, ça fait plaisir. Malheureusement, ici, j'ai fait le mauvais choix. J'ai tenté un centre à ras de sol, c'est pas grave. Magnifique passe. Le gardien est vraiment on fire dans ce match. C'est un truc de fou, là. J'ai demandé la balle un peu plus en retrait. Malheureusement, il l'a pas faite en retrait, c'est pas grave. En tout cas, c'est vraiment un bon gardien qu'on a à faire là.
Ah oui, Bolasie. Oh, mais le gardien, il me saoule. Il fait tout. Il arrête tout, ce gardien. Oh, dommage. Il va l'arrêter, celle-là. Eh ben non. Enfin, les gars. Ah, franchement, là, ça veut vraiment dire que je suis en réussite. Hein. Parce que, bien souvent, je marque très rarement les corners. De deux, j'arrive à faire ce que je veux. Niveau construction. But de Bolasie de la tête, ça fait plaisir. Et donc, ben voilà, 0, ça fait plaisir. 43e minute de jeu. Allez, Shaqiri, oui, le deuxième but, les amis. Ça fait plaisir. Là, deux buts en 5 minutes, enfin en 2 minutes plutôt. Non, deux buts en 5 minutes à peu près. Ça fait quand même plaisir. Allez les gars, on continue comme ça. Eh ben les amis, est-ce qu'on va encore avoir 57%? Je me le demande bien. Ah non, 59. Donc voilà, ça fait plaisir. Quand tout fonctionne comme ça, c'est nickel. Hein, ça fait grand plaisir. 2-0 à la mi-temps. 10 tirs à 3. 7 tirs 4-1. Le gardien fait un match monumental. Et moi aussi, je fais encore un beau match. Construction nickel. Juste un peu moins de chance vu que le gardien arrête tout, mais franchement je prends un plaisir énorme à faire des vidéos comme ça quand je peux construire mes occasions et tout, ça fait plaisir. Donc on continue comme ça les amis. Pour cette deuxième mi-temps, il va falloir encore marquer encore un but pour se rassurer. Magnifique les gars, je construis derrière. J'attends le bon moment et je vais marquer le but. Ça, c'est du football. Ça, c'est de la construction. Et ça, j'achète, comme dirait quelqu'un. Oui, les gars. Là, je construis, je fais la petite passe. Parce que je l'ai vu faire l'appel. Et voilà, c'est simple, le football. Quand on joue au football. Parce que des fois, FIFA ne ressemble pas vraiment à du foot. Mais là, dans ce genre d'action, ça ressemble à du football. Ça fait plaisir, 3-0. Ah, dommage. Là, j'étais vraiment pris au dépourvu. J'avais plus que 3 défenseurs. J'ai fait une erreur. Je sais pas où je l'ai faite, mais j'ai fait une erreur. Donc, c'est normal que je me prenne le but. C'est dommage. 3-1. Il va falloir encore en marquer maintenant le but. Oh, mais il n'y a pas faute hein, là-dessus, monsieur l'arbitre. Faut arrêter de siffler des fautes pour rien, là. Ça va provoquer le but si ça continue. Non. Ah, pénalty. Ouais. Attention, les gars. Attention. Je suis en train de lui donner confiance. Et il marque le 3-2. Là, c'est une erreur de ma part. Hein. Je me suis un peu... laisser aller et on se prend le 3-2 avec un peu de chance hein, bien évidemment, mais il va falloir se réveiller un peu parce que là il est en train de reprendre confiance. Il va falloir que je marque vite le but. Oh non, pas les petits comptes comme ça. Ça, je sais ce que ça donne, ça, les contres ainsi, je sais après ce que ça va donner hein. Attention, il passe quand même. Non. Et oui, je le savais. J'ai fait beaucoup trop d'erreurs. Et là, j'ai fait monter Fellaini juste avant. Et ce qui provoque un trou dans le milieu de terrain. Et... bon, là, il reste 12 minutes. Il faut que je me reconcentre et que je marque. Allez, on continue.
Oh, y'a faute! Hein? Mais non, mais c'est pas moi qui fais faute là! Ah non, mais là c'est honteux! Là c'est honteux là! C'est pas moi qui fais faute quand même! C'est lui qui me fauche! Et bien évidemment, je sais pas pourquoi je sens que je vais me prendre le quatrième. Allez, non, mais ce gardien m'aura tout arrêté! Il m'aura tout arrêté, ce gardien, franchement. Son gardien, en fait, j'ai joué contre ce gardien, en fait. Son gardien, 1, moi, 1. Franchement, là, c'est vraiment ça, quoi. Donc, à la 89e minute, je sais pas si c'est dans le rectangle ou au rectangle, mais il y a une faute sur moi, il a sifflé pour lui, je ne comprends vraiment pas pourquoi. Donc c'est de ma faute hein, si on perd, enfin si on fait match nul. Ça c'est entièrement de ma faute. J'étais bien, je me suis un peu relâché. J'ai pas fini l'action, enfin, j'ai pas fini le match à cause de son gardien qui a fait un match énorme. 6 arrêts, je pense même qu'il en a fait plus. Hein. Il a fait vraiment un grand match son gardien. Et c'est vraiment une déception pour moi de ne pas avoir réussi à gagner ce match parce que je l'avais en main quoi ce match, je l'avais en main. En soi il n'était pas hyper fort mon adversaire mais je l'ai laissé rentrer dans le match avec son but et voilà ça a provoqué le 3-3. C'est pas grave les gars, c'est pas grave. Donc on se retrouvera lors de la prochaine vidéo. Donc pour l'épisode 17 de Sans Argent mais de la qualité. J'espère qu'il vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à commenter aussi, à partager la vidéo avec vos amis. Et donc nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Même heure, même jour. C'était Kirata34, prenez soin de vous. Ciao, ciao.